Permettez-moi avant toute chose d'exprimer mes remerciements au gouvernement et au Parlement de la République du Rwanda pour l'accueil, l'hospitalité généreuse et les facilités qui nous sont réservées depuis notre arrivée ici à Kigali. Le fait d'avoir accepté d'abriter les présentes assises témoigne de l'importance que le Rwanda attache au partenariat ACP-Union européenne et à son succès. 9 mois se sont écoulés depuis notre dernière session. Un bon nombre de nos collègues du Parlement européen présents à la 37e session de notre Assemblée ne sont plus parmi nous aujourd'hui, tandis que de nouveaux visages, tant du côté européen que du côté ACP, nous ont rejoints. Au nom des membres ACP de l'Assemblée et en mon nom propre, je voudrais vous féliciter pour votre élection et vous souhaiter la bienvenue au sein de l'Assemblée parlementaire paritaire. Au cours de ces 9 derniers mois, l'hydre hideuse du terrorisme a continué de menacer nos pays avec les attaques perpétrées notamment dans les pays du G5 Sahel. Ces actes abominables visent à semer la peur et la haine, mais nous ne devons pas permettre qu'ils divisent nos sociétés. Il nous faut réaffirmer l'urgence de mieux coopérer ensemble au niveau mondial pour éradiquer l'extrémisme violent sous toutes ses formes. De même, nous ne pouvons rester indifférents aux catastrophes naturelles qui surviennent dans certains de nos pays, comme par exemple l'ouragan Dorian qui a frappé la nation des Bahamas dans les Caraïbes en août dernier et qui a été décrit comme le cyclone tropical le plus violent ayant jamais touché ce pays et comme la pire catastrophe naturelle de son histoire. Nous constatons aujourd'hui une vague d'approche unilatérale de la part de certaines superpuissances qui se sont mises en retrait de la mise en œuvre de l'agenda mondial tout en sapant le multilatéralisme. Ce seul fait suffit à démontrer que le partenariat ACP-Union européenne doit plus que jamais devenir un catalyseur du multilatéralisme. Cette Assemblée constitue l'expression démocratique la plus importante pour nos populations et, au regard de sa nature, la forme d'expression la plus poussée d'une alliance en faveur du multilatéralisme. C'est donc avec l'action, avec la conviction de ce bel avenir de notre coopération multilatérale que je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite plein succès à nos travaux. Le président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame, aurait voulu être ici en personne pour vous souhaiter la bienvenue et procéder lui-même à l'ouverture officielle de cette session de l'Assemblée paritaire ACP Union européenne. Mais un autre agenda aussi important, prévu bien avant, l'empêche d'être ici aujourd'hui. C'est en son nom que j'ai l'honneur de me présenter devant votre auguste Assemblée pour vous adresser ces chaleureuses salutations et de vous exprimer en son nom et au nom du Parlement du Rwanda notre profonde gratitude pour votre présence dans notre pays. Nous espérons rendre votre séjour à Kigali tant agréable que fructueux. Le Rwanda ne peut que se réjouir et être fier d'avoir été choisi comme hôte des réunions de l'Assemblée parlementaire du groupe des États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique et de la session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Excellences, honorables, distingués, délégués, cette session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne se tient à un moment critique. Premièrement, parce que nous sommes à quelques mois de l'expiration de l'accord de Cotonou qui régit le partenariat des pays ACP avec l'Union européenne. Deuxièmement, parce que cette échéance pose la question de redéfinition de ce partenariat pour les prochaines années.
dans un monde en plein changement au regard des défis politiques, économiques et de coopération auxquels font face nos différentes régions et nos pays respectifs. Dans ce contexte qui est donc le nôtre, le gouvernement et le Parlement du Rwanda, sommes certains que vous aurez de fructueuses discussions à Kigali, permettant des avancées dans le processus de renforcer notre partenariat, en repensant ses modalités dans un espace et un cadre où les parties s'approprient les priorités et les défis ainsi que les solutions à y apporter. En effet, le moment est idéal et nous devons absolument saisir cette occasion pour mener une profonde réflexion sur les enjeux régionaux et mondiaux et focaliser notre volonté politique et nos efforts sur un partenariat ambitieux. Nous devons particulièrement résister à la tentation consistant à imputer le manque de résultats aux contraintes financières et à la pauvreté. Car, comme l'a dit son Excellence le Président Paul Kagame, à juste titre, je cite, « Nos pays ne sont pas pauvres, ils sont plutôt freinés par les mentalités et la façon dont les affaires se font en Afrique. » En d'autres termes, il n'y a pas une seule solution qui puisse garantir du succès à tout le monde. Surtout, le résultat n'est pas une simple question d'argent. À titre d'exemple, depuis un peu plus de deux décennies, le Rwanda, avec des ressources limitées, s'est résolu à se fixer des objectifs précis et mesurables, avec des indicateurs clairement définis, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes, de la santé, de l'environnement des affaires, des investissements et de l'industrialisation comme moteur de croissance tout en insistant sur la mise en œuvre et les résultats. La leçon apprise de notre expérience ici au Rwanda, c'est que le secret de la reconstruction et de la transformation d'une nation, c'est d'abord une prise en charge de notre propre développement et un état d'esprit où l'on s'efforce constamment d'améliorer les performances et où tout le monde se sent responsable des échecs et des résultats. Excellences, honorables, distingués invités, chers délégués, il y a 25 ans, le Rwanda sortait d'une tragédie qui reste encore gravée dans toutes les mémoires. Et je remercie le coprésident qui a, avec beaucoup d'émotion, mentionné le 25e anniversaire du génocide commis contre les Tutsis dans notre pays. Comme je disais donc, en seulement 100 jours, l'humanité a assisté impuissante au génocide de plus d'un million de Tutsis. La tragédie se déroulera sous le regard d'une communauté internationale indifférente. Après le génocide, les Rwandais ont pris en main, avec courage et détermination, leur propre destinée. Le contrat social consécutif au génocide consacre les principes fondamentaux d'unité nationale et d'état de droit. Sur ce, je voudrais terminer ici en vous remerciant de m'avoir donné la possibilité d'ouvrir, au nom de son Excellence le Président Paul Kagame, cette session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Je vous souhaite encore une bonne et agréable réunion, mais aussi un séjour agréable et fructueux dans notre pays. Je vous remercie.